Bonjour à tous, aujourd'hui c'est dans l'extrême sud de la Seine-et-Marne que je vous emmène, plus précisément à Château-Landon, pour vous faire découvrir le parcours numéro 44. Alors quand je dis l'extrême sud, on est vraiment à la limite du département du Loiret, donc on ne peut pas être plus à l'extrémité du département. C'est une randonnée vraiment très agréable, que j'ai super appréciée et ça m'a fait très plaisir de retrouver Château-Landon, qu'on avait découvert sur un parcours de l'ancien guide, mais il était plus court, donc là il était remanié et maintenant il fait 12,7 km. Il reste tout de même très très simple à effectuer, le balisage est bien présent, mais attention, il y a des moments où il n'est pas forcément là où on l'attend, donc gardez bien la carte sous les yeux. Vous allez voir des villages typiques de la Seine-et-Marne, comme on les aime. Vous allez également voir de la forêt, des champs et une partie de cette randonnée est le long du canal du Loing. Donc on a vraiment toutes les facettes de la Seine-et-Marne dans cette randonnée assez courte, puisque je vous le rappelle, elle fait même pas 13 km. Je vous conseille vraiment d'effectuer ce parcours qui est super agréable. Je vous laisse découvrir les photos. Vous allez d'ailleurs voir qu'il y a de très très belles photos. Je vous souhaite de belles balades en Seine-et-Marne. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour la dernière rando du guide. Ça sera la numéro 45. À bientôt.